Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. La vidéo cette semaine, en fait, ça va être le tour de ma classe parce qu'enfin j'ai reçu tous les meubles, ou presque, là, de ma classe. Donc je suis prêt à vous faire un tour de classe. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va faire un tour de classe. Je vais vous expliquer un peu tout ce que je fais dans ma classe, tous les systèmes, les différents espaces flexibles, etc. C'est ça, là il est, je pense qu'il est passé 4h. Il est 4h15 à l'école, j'ai essayé de faire ça vite parce que je voulais pas partir tard ce soir. Donc allons-y pour le tour de ma classe. Et en avance, désolé si la qualité du son change, la qualité vidéo change aussi. Je vais pas apporter ma caméra habituelle parce que ça serait trop gros comme équipement à apporter à l'école. Donc je filme sur mon téléphone, c'est quand même pas si pire, mais je voulais juste vous avertir avant que vous vous demandiez pourquoi le son est bizarre et l'image n'est pas comme d'habitude. Donc, ma classe est divisée en plusieurs coins. Première des choses, j'ai un coin informatique, j'ai un coin lecture, j'ai mon lavabo dans le fond là-bas qu'on peut voir, que je vais aller visiter après avec vous. J'ai mon tableau en avant, puis j'ai mon bureau à moi, puis j'ai comme un genre de coin écriture, mais je sais pas trop quoi faire encore avec. Je manque d'espace dans ma classe, croyez-le ou non. Elle a l'air énorme ma classe, mais je manque d'espace. Allons-y faire un tour de ma classe, une place à la fois. Donc allons-y logiquement, ça c'est la porte d'entrée de ma classe. En rentrant dans ma classe, j'ai un panneau comme ça ici pour contrôler tout ce qui est l'éclairage dans ma classe. Je peux aussi savoir, je peux appeler entre les classes. Je peux régler aussi la lumière, je peux savoir le taux de gaz CO2 de ma classe. Il y a le mode météo, je suis pas certain qu'il fonctionne, je pense pas. Mais en tout cas, il est connecté, je crois. Donc, c'est ça. Et l'horloge, je peux le mettre en mode horloge ou en mode heure régulière. Il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à faire ça. Puis je peux même faire du Skype et une caméra d'intérêt si ça m'intéressait. En haut de ça, il y a ma pochette en cas d'urgence ainsi que mes affiches pour les absences. Si jamais j'en ai pas, si j'en ai, les cartons d'absence sont juste là. En bas près du tableau. J'ai aussi ma pancarte pour savoir qui va où pour aider les suppléants. Et en haut, c'est ma nouveauté que j'ai parlé cette semaine dans Instagram. C'est mon renard de l'autonomie. C'est un système de récompense positive de grands groupes. J'étais tanné du bavardage. J'ai essayé plusieurs systèmes. Puis là, pour le moment, mes élèves réagissent bien à celui-là. Dans le fond, je donne aléatoirement des petits morceaux de nourriture au renard parce qu'il a faim. Et quand on atteint 100 morceaux de nourriture, on gagne un privilège de groupe qu'eux vont pouvoir choisir. Quand je me déplace vers la droite, j'ai un premier grand tableau blanc ici, il est vraiment énorme, qui fait le mur au complet. Sur ce tableau-là, j'ai mes niveaux d'autonomie ici. En haut, j'ai le tableau de numération de Karine et chaque position a une couleur différente. Je trouve ça intéressant de mettre chaque position une couleur différente pour les identifier plus facilement. Ici, bon, j'ai des étiquettes tout court que je range là, que j'utilise pour la date et les mois. Quand je me déplace vers la droite, j'ai la date là, et c'est là mon genre de coin écriture, mais je manque d'espace parce que j'ai trop de tables finalement. Donc, j'ai là mon chariot d'atelier d'écriture que je vais expliquer dans pas long. J'ai un tableau blanc ici avec un pad de feuilles par-dessus. Je sais pas d'où ça vient parce que ça a été fourni par l'école. En fait, tout ce que je vous montre ou presque là, c'est fourni par l'école. Pour le moment, mon chariot là n'est pas fourni par l'école. Donc, c'est ça, on a travaillé le champ maudit, les personnages et le temps et le lieu dans un récit jusqu'à maintenant. J'ai mon tas de boîtes de carton que j'accumule pour faire des isoloirs. Un jour, je vais avoir le temps de faire ça. Et j'ai mon espace de rangement. C'est pas mal un des seuls espaces de rangement que j'ai dans ma classe. Des armoires en haut et en bas. Je range les surplus en bas à droite. Puis c'est mon lavabo, là, avec du papier brun, etc. Et en haut ici, je range des paniers, des bacs de plus que je pourrais sortir si j'en ai besoin. Puis à droite, c'est les cahiers de plus, les cahiers d'activité. On a cahier escale et on a zigzag en français. Alors, je parlais de mon chariot d'atelier d'écriture. C'est un chariot qui venait chez Ikea, il coûte 40$, il coûte moins cher que celui chez Michaels, puis il est plus solide. Donc, ça se trouve dans la section cuisine. Ben, j'ai ici chaque duotang de mes élèves que j'ai acheté avec le budget de classe. Puis dedans, la première pochette, c'est pour les travaux qui sont pas terminés. À la fin, c'est pour les travaux qui sont terminés selon eux. Et au milieu, j'ai une poche de plastique que je vais pouvoir déposer les tableaux d'ancrage que je vais prendre en photo à fur et à mesure que j'en fais. J'en ai pas encore fait un jour. Ils ont leur petit carnet d'idées ici pour mettre les idées pour leur petit moment, peu importe. Et ici, j'ai la liste orthographique fournie par, j'oublie le nom, l'orthographe au quotidien, si je me trompe pas, de tous les mots du premier et du deuxième cycle. Puis mes élèves savent les différencier là, s'ils sont en troisième ou en quatrième année selon le mot qu'ils connaissent ou pas. Bon, ça, c'est rangé là. J'ai mon cartable avec mes mini-leçons. J'ai des feuilles supplémentaires ici. Deuxième étage, c'est les dictionnaires de référence. Et chaque table, lorsque les élèves vont travailler, ils ont un petit panier comme ça. Moi, ils écrivent à l'encre bleue tout le temps. Et quand ils se corrigent, à l'encre rouge. Puis, ils ont une carte de son ici
et de lettres pour certains qui ont encore la difficulté avec ça. Puis à fur et à mesure qu'on ajoute des nouveaux outils, je les ajoute dans les paniers que eux apportent avec eux sur les îlots de travail. Et le dernier étage, ben, c'est les autres paniers. C'est un peu le bordel. Je n'ai pas y pensé. Ensuite, quand je me déplace, ça c'est le fond de la classe. Là, on était au lavabo tantôt. Dans le fond de la classe, j'ai les règles de la classe flexible affichées ici que j'ai prises sur le groupe de l'aménagement flexible. Si je ne me trompe pas, c'est une certaine Julie quelque chose qui les a créées. Ils sont magnifiques, simples, faciles à utiliser. Les élèves les comprennent bien. Ensuite, j'ai l'abécédaire d'Amélie Pépin d'afficher. Je le trouve intéressant parce qu'il y a les lettres en cursif. Ils mettent les voyelles en évidence. Puis j'ai les différents accents là, que je fais défiler là. Au milieu, c'est le coin lecture qu'on va aller voir après. Puis chaque tableau, c'est censé être un jour. Des mini affiches d'ancrage là, pour tout ce qui est mathématiques et français à droite. Alors ici, c'est mon coin lecture. On a reçu un gros tapis bleu qui était fait pour le coin lecture, un espèce de tapis gymnase. Ensuite, on nous a fourni le gros pouf. Moi, j'ai apporté de la maison ce coussin IKEA qui traîne chez moi depuis des années que je n'ai jamais utilisé. Je ne savais pas comment l'utiliser. Il est enfin dans mon coin lecture. Et deux coussins d'extérieur ici parce que c'est plus facile à laver. Au-dessus de mon coin lecture, j'ai mon horaire d'afficher. J'ai toujours une journée de vide parce que si jamais on a une semaine de 4 jours, ben, ça me permet d'être plus flexible et que tout le monde puisse y aller quand même. Et juste un peu à gauche, j'ai mes affiches sur comment se rappeler, comment choisir son livre, choisir un livre à sa taille, un livre qui les intéresse. Donc, c'est ça. Allons voir les paniers. Alors, mes paniers de lecture sont tous dans ce petit bahut-là. Là, en ce moment, j'ai deux espaces vides parce que je suis en train de déplacer des paniers des élèves. Puis, je ne suis pas encore certain de la façon que je veux organiser ma classe. Donc, chaque panier, dans le fond, moi, j'utilise pas les niveaux. Je trouve que c'est péjoratif puis que ça aide pas les enfants. Au lieu qu'ils s'aident, ils se comparent entre eux puis ils décident. Ils voient qu'ils sont moins bons puis ça les décourage. Donc, ils sont classés par sorte. Puis, dans les paniers, ben là, c'est un peu pain de mer. Il faudrait que je prenne le temps de faire le ménage là-dedans. Mais, en gros, si je prends un panier, bon, ici, j'ai des romans illustrés en théorie. Là, c'est pas vraiment le cas de ce que je réalise. Les élèves ont mélangé. Mais. C'est ça. J'ai eu beaucoup de livres donnés par la commission scolaire qu'ils nous ont achetés, étant donné qu'on est une nouvelle construction. Puis j'ai aussi des livres de ma collection personnelle comme enfant. Puis j'ai aussi des livres que j'ai été achetés au Village des Valeurs. Donc, c'est ça, les enfants fouillent là-dedans. Puis moi, toutes les semaines, je fais des entretiens de lecture. Je vais en parler dans une autre vidéo. Puis je vérifie si le livre est à leur taille. Donc ça, c'est mes paniers. Et les paniers viennent de chez IKEA dans la section des animaux. C'est pas les paniers les plus solides, par contre. Ils sont un peu mou, mais ils font très bien le job, puis jusqu'à maintenant, ils résistent très bien, puis ça fait aussi avec les couleurs de ma classe. Un des élèves est rangé dans un petit bac comme ça, fourni en école, dans notre grand bahut, puis moi, chaque année, je vais juste pouvoir refaire des nouvelles étiquettes et les recoller dessus. C'est pas l'idéal, parce qu'ils sont un peu petits, les bahuts, les espaces, puis les élèves, il y en a quelques-uns qui sont pas aussi propres que les autres, et ils ont tendance à perdre beaucoup de choses, mais bon, regarde. Ils vont s'adapter à ça. Donc, je reviens au coin lecture. J'avais aussi une petite table ici que j'avais achetée chez IKEA. Elle était en sol. Il était comme 10$ au lieu de 15. Donc, gros rabais, je le sais. Si je me déplace de ce côté-là de la classe, c'est mes deux ordinateurs et les chaises de trop que j'ai dans ma classe, ainsi que les disco sites. Au début de l'année, je vais être honnête avec vous, j'avais mis à disposition les ballons aux élèves, mais j'ai fini par céder. Je les trouvais trop bruyants puis ça dérangeait les élèves. Fait que je les ai relégués au coin informatique. Comme ça, on les utilise pas très souvent. Puis c'est ça. De toute façon, mes élèves ne s'utilisaient pas très bien, puis ils ont fini par en briser un. Donc, je les ai relégués au coin informatique. J'ai la chance d'avoir des géantes fenêtres et on ne voit même pas au complet encore parce que le plafond est coupé, mais ça continue encore plus haut ici. La fenêtre fait vraiment le plafond au complet, le mur au complet ou presque. Puis ici, c'est hauteur comptoir, donc c'est parfait pour les élèves qui sont intéressés à travailler. On voit les marques de souliers à travailler sur le bord de la fenêtre. C'est assez large pour qu'ils puissent travailler ici. Ensuite, on a reçu un autre bahut ici à roulettes. Donc, j'ai d'autres paniers là-dedans. Je range le matériel de mes élèves qui sont propres. Et de l'autre côté, j'ai du matériel de TES de base qui nous a été fourni. On remercie TES pour ça. Et de l'autre côté, je range les ateliers du mois dans chaque panier. C'est plus facile à sortir et à ranger comme ça. Puis, j'ai d'autres paniers que je ne sais pas encore quoi faire avec. Puis, finalement, derrière moi, j'ai une autre grande fenêtre où c'est un peu pas le même. Là, chez, encore du ménage à faire ici. J'ai aussi des nouveaux ouvrages de référence, des livres encore, j'ai pas trié, j'ai pas encore mis disponible parce que je veux pas tout mettre disponible tout de suite. J'ai mon panier corrigé qui est déjà tout brisé, j'ai mon panier à lait, j'ai des projets d'or plastique pour évaluer encore, mais ça s'en vient un jour, ça va être propre derrière moi.
Ensuite, il y a mon coin bureau. Donc, j'ai un mini classeur ici où je range les documents des élèves, leurs dossiers d'élèves aussi. Dedans, j'accumule tous les contrôles et les dictées trouées. Comme ça, moi, je peux garder ça puis avoir une trace de leur progression dans l'année. J'ai un petit meuble ici, IKEA. Ce que je mets, première tablette, c'est tout ce qui rapporte au plan de travail ou aux évaluations. Deuxième tablette, c'est des documents par rapport à la toute pédagogie, des sondages, des choses comme ça que j'ai pas encore faites. Et finalement, en bas, c'est encore un pêle-mêle de choses qu'il faut que je classe, que j'ai pas encore classé. C'est dans le fond pas une très bonne idée ce que j'ai là. Ça fait juste accumuler des feuilles que je sais pas quoi faire avec. Et finalement, sur mon bureau, je l'ai ramassé juste pour vous. Mais en général, ça ressemble à ça. Nous, notre TNI est branché sur un poste fixe. Comme ça, ça aide les suppléants quand ils viennent dans notre classe. L'ordinateur est là. On a aussi un portable qui est fourni, mais moi, le mien, il fonctionne pas. Bon classique. Donc, c'est ça. Puis dans ça, ben, j'ai mon tiroir préféré ici, qui est mon tiroir de capsule à café. Puis j'ai aussi les cadeaux de fête, là. C'est des Rice Krispies, puis des petits rubans. Ou les Rice Krispies, c'est aussi mes collations à moi, quand que j'oublie de m'amener une collation. Il y a mon tableau ici, sur lequel j'affiche fièrement mon diplôme parce que c'est important. Et ici, j'ai mes cartables que j'utilise à tous les jours ou presque. Donc, j'ai le maths complément carré qui est un système de jogging pendant 180 jours. J'ai la liste orthographique, les activités. J'ai mon cartable de l'année que j'accumule les travaux dedans. Puis j'ai mon cartable de gestion qui est là aussi. Et dans mon armoire qui est barré. Alors, dans mon armoire qui est barré, en haut, j'ai mes cartables à moi avec des choses d'université que j'ai gardées ou des travaux de son animateur que j'accumule là. J'ai ma collection à moi de livres littérature jeunesse, puis j'ai ceux que j'ai retirés des bibliothèques que j'ai gardés pour moi pour des projets spéciaux. J'ai mes ouvrages de référence en bas ici. J'ai du matériel de manipulation en mathématiques là que j'ai pas encore vraiment sorti ou utilisé. J'ai sur une tablette ma plastifieuse et la tranche que je me suis acheté moi-même. J'ai mes boîtes de cartes à tâches ici. Et j'ai ce sont des boîtes de matériel de manipulation en mathématiques que j'ai pas vraiment encore beaucoup exploité, mis à part les boîtes en base 10 ici. Le reste, j'ai pas encore trouvé l'utilité, j'ai pas encore abordé la matière qui est nécessaire pour utiliser ce matériel-là. Finalement, l'avant de ma classe ressemble à ça. Donc, j'ai la routine du matin affichée en haut. Il y a ici l'activité des valeurs qu'on a faite en début d'année, que j'ai déjà parlé de ça dans une publication Instagram. C'est les 5 valeurs de la classe. Puis les post-it, ce sont toutes des façons concrètes que les élèves ont pu trouver que ces valeurs-là ont pu se manifester dans la classe ou vont pouvoir se manifester dans la classe. J'ai l'équation de la réussite ici de Steve Bissonnette que j'ai pas encore expliqué à mes élèves, parce que j'ai pas abordé la multiplication. Et mon tableau en avant à droite de mon TNI, parce que nous autres, on a une télé qui est magnifique, qu'on peut monter et descendre. C'est vraiment hot, je vais vous montrer ça. Donc j'ai une poignée en arrière. Et je peux vraiment descendre mon tableau super bas pour que mes élèves plus petits puissent écrire au tableau. Sinon, je peux le monter aussi. Ou si je fais un rassemblement en avant, bien, je peux utiliser le tableau tout près de eux. Et à droite ici, bien, c'est mon tableau là, de gestion de la journée. Donc, j'ai le menu du jour, j'ai les travaux de la semaine à faire qui sont à compléter sur le niveau. J'ai mon système de gestion de la chaîne de montagne avec le système D, où les élèves doivent utiliser, selon différentes étapes, différentes façons de s'aider avant de se rendre à moi. Et c'est ça. Dans ma gestion de classe, j'ai le urgent, je dois, je peux. Il y en a qui appellent ça le plan de travail. Nous aussi, on a appelé ça le urgent, je dois, je peux. On n'est pas très originaux. Mais dans le fond, le urgent, c'est ce qu'ils ont fait en premier. Le je dois, c'est ce qu'ils peuvent faire après. Et finalement, le je peux, ce sont des choses qu'ils font lorsqu'ils ont tout terminé. Pour le moment, le urgent et le je dois est obligatoire à faire pendant la semaine. Puis si c'est pas fait, moi, je l'envoie la fin de semaine à être complété. Un jour, éventuellement, l'urgent va être la chose à faire, puis ce qui est dans le jeu de doigts va passer au urgent de la semaine d'après. Mais je suis pas encore assez à l'aise de faire cette gestion-là, donc j'aime mieux tout faire tout de suite, puis laisser à mes élèves la chance de tout faire et de m'éviter cette gestion de classe-là que j'ai pas besoin encore tout de suite. Finalement, dans ça, les enfants mettent tout leur sac à dos lorsqu'ils sont vides et qu'ils ont fini leur routine du matin. En avant de mon bureau, j'ai une table trapézoïdale ici, sur laquelle j'ai tous les cahiers d'évaluation de mes élèves dans lesquels ils réaccumulent les examens. Comme ça, moi, j'ai ça près de moi, puis ils ne les perdent pas, puis moi, je peux toujours les consulter si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de référence. J'ai mon panier message pour tous les messages du matin, les contrôles, les dictées qui font signer qu'il n'y a pas dedans. Et ici, c'est le panier de choses à remettre qui est très plein en ce moment. Puis ça, ben, c'est le travail d'un élève qui a été oublié parce que c'est une tablette de travail pour la place flexible qui est là.
Maintenant, c'est le moment tant entendu de voir mon espace de travail, mes espaces de travail flexibles. Parce qu'ici, dans le fond, à notre école, c'est un choix d'école, que toute l'école est en aménagement flexible. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, puis tous les espaces flexibles que j'ai pour le moment. Là, vous savez, on a eu la saga des tables, on a enfin reçu nos tables. Donc là, ici, j'ai 6 pupitres à hauteur régulière avec 6 chaises régulières pour les élèves qui ont besoin de travailler à une chaise lorsque ils le veulent. Ensuite, au fond aussi, j'ai des bureaux alors plus haut en format comptoir. Donc, les élèves travaillent debout à cet espace-là. Il y en a quelques-uns qui aiment ça, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça être debout. Mais c'est ça. Ensuite ici, j'ai une table avec des tabourets oscillants qui font dans l'autre sens habituellement. Comme ça ici. C'est pas les mêmes que d'habitude, c'est pas les rouges. Nous, ils sont bleus et ils viennent de la compagnie ECR. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment ça a été commandé. D'ailleurs, tout le matériel que vous allez voir, je sais pas où ça a été commandé, c'est venu avec l'école. Donc, bonne chance dans vos recherches en ligne. Donc ça, c'est nos tabourets oscillants. On en a 3. Comme ça. Enfin, ici en avant, j'ai une table basse. Elle n'est pas encore parfaite parce que, dans le fond, les gens qui ont planifié nos classes à la commission scolaire, on peut réaliser que même avec la table à son plus bas, c'était trop haut encore. Donc, pour le moment, mes élèves sont à genoux sur les coussins. Ils aiment ça, travailler là quand même. Donc, un jour, ce sera plus bas et ils vont pouvoir être assis à la table basse. J'ai un autre espace ici, une espèce de chaise basse sur laquelle ils utilisent mon pad comme ça ici pour travailler. J'ai un bureau plus bas ici avec une plus petite chaise qu'ils peuvent utiliser. Et ça, c'est mon espace à moi préféré que j'aime beaucoup. Puis mes élèves savent vraiment bien gérer. C'est la table aussi avec les chaises bistrot. Donc au départ, j'étais un peu craintif parce que les chaises roulent puis elles tournent. Ça, c'est un potentiel de désastre de classe, mais finalement j'aime ça. Mes élèves, ils le savent, ils peuvent pas se monter ou se descendre eux-mêmes, c'est moi qui dois le faire. Puis ils ont pas le droit de tourner, de faire un tour complet sur la chaise, ils le savent, ils ont pas le droit de rouler non plus, ils sont très bien encadrés sur cette chaise-là. Puis moindrement qu'il y a un écart, ben ils sont envoyés ailleurs. Il y a quelques-uns qui ont essayé de tester mes limites, qui ont été ailleurs, donc ils ont pu réintégrer les chaises rapidement après, mais dans le fond, j'aime ça, cet espace-là, c'est plus haut, c'est plus ludique. Mes enfants aiment vraiment ça. Donc, c'est à ça que ressemble ma classe. Si vous avez des suggestions, des façons que vous faites, ou des choses que vous auriez aimé avoir plus de précision, dites-le moi en commentaire dans la vidéo. Puis moi, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer, puis on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Bye!